Voilà, tu peux aller sous le Puyana, tu peux aller de partout. Ça porte bonheur de passer sous les ponts. Hein. Et regardez, je suis dessous les prières. Je suis vraiment dessous les prières. Là, tu peux y aller en chaussure là-bas sous le Puyana. Là, non. Là, non. Vas-y. Ouais. Vas-y, tu te fais des photos au-dessous là. Je te laisse faire. Tu tant que moi je filme. Ah, lui, il aime bien les ensembles. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Beaucoup viennent prier ici. Comme cette demoiselle. Prendre de la force, demander de l'aide. Alors bien sûr, le prayana, c'est un esprit. Qui dit esprit, dit mort, dit aussi nos ancêtres, et pas que. Allez, on va aller voir ce qui se passe derrière là-bas, et je vous mets ça en vidéo. C'est un lieu de pèlerinage aussi. Là, on est dessous le naga. Il n'y en a qu'un ici. Il surveille le Mekong. Les envahisseurs aussi. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les envahisseurs? Ce sont aussi des esprits mauvais, mais aussi tout ce qui est humain, qui veulent du mal à la ville de Mukden. Regardez ça, c'est juste, on est juste, je vais essayer de vous faire une vidéo comme ça. Voilà. Voilà, comme ça je vous montre bien tout, mes amis. Donc face au Mekong, ça a tout.